sencilla que comparar se le pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de vera. Puisque tu vas faire une chronique sur le sur les films. Enfin, il est prévu que, mais on ne sait jamais avec Emmanuel. Hein. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un balayage théorique des enjeux. Il a des idées quand même. Des enjeux de l'image. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Donc, je te connais. Tu viens d'arriver à Bergerac en septembre et tu as été nommé au lycée Maine de Biron. Tu es prof de philosophie. Tu viens de l'Est lointain. Et si tu es à Canal Pourpre aujourd'hui, c'est parce que tu t'es proposé éventuellement de faire une chronique, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais une chronique cinématographique ou une chronique sur le cinéma, une chronique sur les films. Et donc, du coup, on s'est dit que ça serait bien aujourd'hui qu'on... Il est très gentil d'avoir accepté ça, parce qu'au fond, il n'a jamais regardé Canal Pourpre, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il a quand même proposé un truc sur... Il aime les défis, c'est un homme à défis. Et donc, du coup, on a pensé que ça serait bien qu'on parle de ce qui est un peu au centre, évidemment, de tout ce qui est production cinématographique, l'image. Et puis, nous, à Canal, ça nous intéresse, parce que comme tu n'arrêtes pas de répéter partout, on n'est pas une radio, on est une télévision. Donc, la télévision, il y a de l'image. Enfin, ça se discute. Qu'est-ce qu'une télévision ? Qu'est-ce qu'une radio ? Alors, justement, en parlant du statut de l'image, moi, je pars sur deux trucs très différents. J'ai remarqué que de plus en plus, les radios font de la télé. C'est-à-dire que ce soit les émissions de France Inter ou France Culture, systématiquement, les émissions sont filmées, on peut les voir sur Internet. C'est-à-dire qu'on ajoute de l'image au son. Bon, quel intérêt. Et puis une autre piste que j'ai eue moi dans mon boulot, je refuse. J'ai même entendu une dame qui disait que maintenant, on faisait de la radio sans son. Il n'y a plus de son à la radio, disait. Oui, on voit l'image et il y a les sous-titres dessous, effectivement. Bon, ça, on pourra évoquer ça. Et puis, deuxième piste ou deuxième porte, je ne sais pas, après, on en discutera. Depuis maintenant quelques années, je n'utilise plus du tout d'images d'archives pour l'enseignement de la Shoah, mais que du texte. Je vois que ça te fait réagir. Je pourrais expliquer pourquoi. Mais déjà, peut-être à travers ces deux remarques, tu peux nous donner tes réflexions sur le statut de l'image. Ben, moi, en fait, le présupposé duquel je voulais partir... Excuse-moi, c'était quoi les deux remarques ? La première et la deuxième, très rapidement. Il coupe souvent, il coupe. Non, la première, c'était... Mais c'est un coupeur. La première, c'était pourquoi est-ce que les radios type Radio Nationale, France Musique, France Culture utilisent... Et la deuxième, l'enseignement, la Shoah. Ça n'a rien à voir, ces deux choses. Si, c'est le refus d'utilisation de l'image, pour ma part. Hein. C'est-à-dire que, autant on utilise très souvent nuit et brouillard, des images d'archives qu'on montre, maintenant, je trouve que ces images-là ne montrent rien. Donc c'était deux pistes très différentes. À la fois, on est abreuvé d'images aujourd'hui, même les radios font de l'image. Et dans mon enseignement, je te refuse d'en utiliser. La radio ajoute des images et toi, tu en enlèves. Voilà, d'accord. Pour dire ça rapidement. Ouais, okay. À toi. Ça y est, j'ai compris. Moi, le présupposé duquel je voudrais partir, c'est en fait le pouvoir de l'image. Qu'est-ce que c'est qui fait ce pouvoir que l'on attribue à l'image ? Puisque finalement, on a l'impression aujourd'hui qu'effectivement, l'image est partout. Et qu'on ne peut se représenter les choses qu'à travers les images, est-ce qu'il y a un véritable pouvoir de l'image ? Est-ce que ce pouvoir est légitimé ? Ou est-ce que c'est un pouvoir usurpé ? Et est-ce que ce pouvoir vient du fait que l'image a une véritable autorité, a quelque chose à dire ? Ou bien c'est parce que les autres systèmes de représentation ont perdu du pouvoir, de l'influence ? Tu parles du langage, là, quand tu dis les autres systèmes de représentation ? On peut essayer d'identifier ces autres systèmes de représentation. Alors, ça peut être la lecture, ça peut être donc le monde de l'écrit, ça peut être le langage, par le biais de la parole directe. Mmh. Est-ce que l'image n'a pas fini par se substituer à des modes de communication, de représentation, qui, eux, ont fini par s'essouffler ou montrer leurs insuffisances ? Elle a toujours été mêlée à ces modes. Il n'y a pas de langage sans image, il n'y a pas de lecture sans image. Je parle de la montée en puissance de l'image, et du pouvoir de l'image dans notre société, dans nos systèmes de représentation et de communication, à quoi est due cette montée en puissance ? Est-ce que c'est dû au fait que l'image a fini par démontrer qu'elle avait une puissance et qui détrônait toutes les autres, ou est-ce que ce sont les autres qui ont fini par céder la place
en montrant leurs insuffisances et leurs propres limites. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est donc un pouvoir que l'on doit reconnaître, ou c'est un pouvoir que l'on doit combattre en essayant de faire se relégitimer des formes de représentation, de communication, de médiation, de relation qui ont perdu du sens et de la valeur? Alors, j'ai une petite objection par rapport à ce que tu dis. Certes, il y a profusion d'images, mais bon, les images, quand on est, par exemple, au Moyen-Âge, le tympan de conque était une formidable image qui était utilisée pour encadrer les fidèles. Donc ce pouvoir de l'image, il ne date pas du 21e, enfin, je ne sais pas si tu veux le dater du 20e ou du 21e siècle. Je suis d'accord, mais dans la puissance de diffusion. Les gens étaient analphabètes, ne lisaient pas. Donc déjà, il y avait 80% des paysans étaient analphabètes. Enfin, les paysans, oui, étaient analphabètes. Et le pouvoir de l'image était très important. C'est-à-dire l'architecture, le tympan, était pour eux une image comme la télévision peut l'être aujourd'hui. Oui, mais alors, le pouvoir a changé de nature. C'est le pouvoir de l'époque dont tu parles n'est pas le pouvoir qu'a pris l'image aujourd'hui. Et qui est un pouvoir, d'ailleurs, qui est devenu extrêmement pervers. Je prends l'exemple, alors, très immédiat des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on constate sur les réseaux sociaux à partir de deux manifestations qui sont celles d'un côté de l'exhibition? Il y a un exhibitionnisme considérable, il s'agit de montrer son image, faut-il parler des selfies, etc., qui couvrent en permanence ces murs des réseaux sociaux, et de notre côté l'effet qui va en répondant, c'est le voyeurisme. On est dans exhibitionnisme, voyeurisme, et l'image c'est de l'exhibition de toute façon. Orchestre cette articulation entre exhibitionnisme et voyeurisme, et qui pervertit notre rapport au réel, et qui pervertit notre rapport aux êtres même, d'ailleurs. Alors là, tu parles des réseaux sociaux ou tu parles de l'image? Je parle de l'image. Enfin, l'image a-t-elle prétention au réel, par exemple? L'image qui est véhiculée par les réseaux sociaux et le système de représentation que les réseaux sociaux organisent des images des uns et des autres. Et il faut construire sa propre image, d'ailleurs, au travers de ces réseaux. Il faut avoir une image de soi. Son mur, c'est son image. Son pseudo. Il y a une nouvelle identité qui se construit à travers et qui fait qu'on est dans un système de représentation qui devient, je pense, de plus en plus pervers. Et qui rejoint finalement ce que la philosophie dit d'abord de l'image. C'est que l'image, c'est une forme de trahison. C'est une forme d'expérience d'une distanciation avec l'origine, avec l'authenticité, avec la vérité. Alors qu'est-ce qui ne serait pas pervers? L'absence d'image? L'absence d'image? Toute image est perverse, tu veux dire? Non, je parle d'un pouvoir de l'image et d'une utilisation de l'image aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, qui est devenu... Alors ça serait quoi une image non perverse? Me semble-t-il... Alors, la question c'est, est-ce que c'est l'usage de l'image qui est pervers ou est-ce que c'est l'image qui contiendrait en elle-même une perversion? Oui, alors... Or, la philosophie, alors on peut parler de Platon, considère que déjà l'image c'est un détournement, c'est un éloignement. Toute image est perverse donc. Si on prend cette base métaphysique platonicienne, oui, il y aurait dans l'image quelque chose qui pervertit le réel, oui. Et toi tu penses quoi? Ben, moi je pars de l'idée que déjà je suis gêné du fait de savoir qu'on va avoir mon image. Il y a un malaise. Si tu nous l'interdis, on ne la montrera pas, tu sais, c'est comme ça. Non, mais pourquoi? Non, mais je m'interroge, pourquoi j'ai ce malaise de savoir qu'on va utiliser mon image? Il y a un droit à l'image? Non. Ah. Il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Tout le monde parle de droit à l'image, ça n'existe pas, genre, juridiquement. Ça n'existe pas, ouais. Mais on parle d'un droit à l'image. Oui, on parle d'un droit à l'image qui n'existe pas. Mais pourquoi, alors, y a-t-il un droit à l'image? C'est que l'image a tendance à s'emparer de ta propre identité, c'est de ta droit, propre personne. C'est le droit au respect de la vie privée. Et de la geler, de la figer. Et moi, cette idée n'est pas pour me plaire non plus, ou pour me satisfaire. Je n'ai pas une idée très haute, effectivement, de l'image. Mais est-ce que quand tu dis perversion, pour reprendre ce que disait Gilles, on ne pourrait pas utiliser un autre mot? Transforme le réel, pervertir, ça me paraît un peu... J'ai parlé d'un usage qui était celui des réseaux sociaux, où l'image est devenue... Non mais quand tu parlais de Platon, bon, perversion de la réalité. Platon, oui, parce qu'au fond... Transformation c'est... ou... Mais c'est une falsification. Oui, là, un artefact ou... Et quand Platon parle des sophistes, il dit ce sont des fabricants d'images,
ce sont ceux qui aiment les idoles et qui par conséquent nous éloignent de ce qu'est véritablement le réel. Et donc ils sont des magiciens, des prestidigitateurs qui se servent des images pour nous éloigner de ce qu'est le réel. Et alors, en plus, le réel, chez Platon, c'est pas le réel sensible, oui. C'est justement pas ce qui est immédiat, c'est le réel intelligible, c'est-à-dire c'est précisément ce qui nous permet de concevoir et donc de nous faire une idée, de nous former une idée de ce qu'est. Donc on n'a aucune prétention à montrer le réel avec l'image, quoi. L'image fausse, transforme. Non, mais ça c'est la première représentation. Moi ce qui m'intéresse c'est de montrer l'ambiguïté qu'il y a au cœur de l'image. Et je pars de l'idée que c'est d'abord un éloignement, une distanciation, une perversion. Et ça c'est une tradition qu'on retrouve dans la métaphysique classique et dans la métaphysique ancienne. Mais après l'image ça peut être un formidable vecteur de créativité. Ça peut être un formidable vecteur de... réhabilitation du réel et même de transfiguration, l'art en est une manifestation. Mais il y a une technique aujourd'hui, une technologie de l'image et une façon d'utiliser l'image qui, me semble-t-il, répond à ce que dans la tradition, on avait considéré comme perversion, comme falsification. Mais il peut y avoir aussi une façon de considérer l'image comme quelque chose qui, au contraire, fait grandir, fait valoriser. Alors, tu peux nous donner un exemple de cette bonne image ? Le cinéma. Le cinéma. Ben, l'utilisation de l'image par le cinéma, me semble-t-il, peut redonner à l'image, non pas ce qui, dans ces réseaux de communication, font de l'image une trahison, une perversion, ça peut donner une représentation plus créatrice et plus... Un exemple serait bienvenu. Les images chez Platon dont tu parles, donc, je rappelle pour tout le monde quand même, c'est l'invention du cinéma. Hein. Non. Il y a quelqu'un derrière moi, je ne peux pas tourner la tête, je suis coincé dans mon fauteuil, il y a quelqu'un derrière moi qui projette devant moi les images de petits objets qu'il manipule. Oh, ça c'est la caverne. C'est la projection cinématographique typique. Platon n'a pas inventé le cinéma, mais il a inventé la situation cinématographique. C'est la caverne. Oui. Alors, donc, quand tu dis le cinéma, ça me surprend parce que c'est exactement ce que Platon dénonce, quoi. Ben, ce qu'il y a, ce qu'il dénonce, c'est ce qui serait considéré comme ce que l'on prendrait pour la réalité. Ce qu'il dénonce, c'est l'illusion, Platon. Et c'est une illusion dont personne n'est conscient, puisque les prisonniers enchaînés, ils voient la représentation de quelque comme chose. Comme au cinéma où on est dans le noir. Qu'ils prennent. Mais nous savons quand nous entrons dans une salle de cinéma. Tu es sûr de la ça. Différence avec le prisonnier enchaîné qui est face à la paroi et nous qui faisons la démarche d'aller au cinéma, c'est que nous prenons le parti de l'illusion. D'accord, on paye pour ça. Oui. Non, on paye pas pour ça. La situation n'est pas très différente. Ah, absolument pas. Parce que cette esthétique du cinéma, elle va s'accompagner d'un besoin d'interprétation, d'un besoin d'élucidation, d'un besoin de clarification. La preuve, c'est votre formule à tapage qui consiste à faire suivre une séance d'un débat, d'une reprise, d'un questionnement. Le cinéma, ce n'est pas ce que Platon dénonce dans la caverne. Ce qu'il dénonce dans la caverne, c'est ce que l'image peut avoir comme substitution à la réalité et du coup, qui nous empêche de revenir vers une réalité qu'il faudrait questionner. Excuse-moi, mais alors les discussions de Cinéclub, de manière générale, sont exactement cavernicoles, c'est-à-dire que les gens parlent de ce qu'ils croient avoir vu là, c'est-à-dire du réel, du monde, des femmes, des hommes, un problème, un problème. Alors juste tous les intervenants à la suite des séances de cinéma t'ont donné l'impression de rester dans la caverne. Absolument. Non, juste, oui, sûr, oui. Juste pour compléter ce que disait Gilles, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je me souviens d'un exemple, c'était après le film de Laurent Conté, L'Atelier. Des gens ont vu, ont critiqué en disant telle ou telle personne, etc., quand même, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Et ils n'ont pas compris que c'était une fiction, c'est-à-dire ils l'ont vu comme un documentaire. Du moins, ils ont oublié, parce qu'ils ont parfaitement compris qu'ils étaient au cinéma, comme oui, tu dis. Mais, non, mais ça s'oublie, ça. Par contre, ils n'ont pas vu l'aspect fictionnel du film. Ils ont pensé que c'était un documentaire sur l'atelier d'écriture, certains. Mais donc, souvent, d'ailleurs, c'est pris comme un prétexte, le film. Oui, non, mais du coup, on est dans l'illusion. On ne revient pas sur le film, on se sert du film comme d'un prétexte. Or, moi, je pense que la différence avec la caverne, c'est qu'encore une fois, le cinéma est ici un moyen
pour revenir sur une représentation, s'interroger sur cette représentation, sur les limites de cette représentation. On critique. Le critique de cinéma, c'est très exactement l'inverse du prisonnier de la caverne. C'est-à-dire celui qui est en position, justement, de déconstruction de ce que, pour le prisonnier de la caverne, constitue un monde figé. Donc, alors après, il y a le spectateur dont tu parles, qui est totalement pris dans le jeu de l'illusion, qui peut aussi ne pas ressentir le besoin de se questionner, d'accord, de s'interroger. Tu es en train de nous faire le coup de... les intellectuels ont raison et la masse du peuple, ces non, gens-là, ils croient. C'est toi qui parlais des cavernicoles. C'est pas moi qui ai parlé des cavernicoles. Mais les critiques dans le même sac que le peuple. Hein. Pour moi, c'est pareil. C'est... Non, mais soyons sérieux. Est-ce que tu as un exemple qui corroborerait ce que tu dis? J'espère que tu as raison. Ben, j'ai deux exemples de films qui montrent comment le cinéma s'interroge sur lui-même. Oui. J'ai deux exemples. J'ai La Rose Pourpre du Caire de Woody Allen. Oui. Et Vidéodrome de David Cronenberg. Oui. Et dans les deux cas, c'est une interrogation sur l'image, sur le pouvoir de l'image. Vidéodrome, c'est la télévision plus, enfin sur l'image. Oui, alors bon, c'est la télévision. Oui. Mais où on voit, alors il y a un cas où il y a un spectateur qui passe dans l'écran, c'est La Autrement Rose dit, je crois que je vois ce que Et tu je termine, dire. Vidéodrome, oui. Il y a un personnage de l'écran qui traverse l'écran. Je simplifie, je caricature ce que tu viens de dire. Autrement dit, l'image est bonne quand elle parle de l'image. Non, mais ce que je voulais, l'image n'est pas perverse. Ce que je voulais montrer, si tu veux, c'est la différence avec l'allégorie de la caverne. C'est qu'ici, il y a véritablement une remise en question. C'est ça, l'image parle de l'image, on est bien d'accord. Mais, alors, l'image parle de l'image, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Vidéodrome et La Rose Pourpre du Caire. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que l'image révèle, par exemple, du spectateur, et qu'est-ce qu'elle révèle du personnage? C'est-à-dire que l'image parle de l'image, mais on voit que l'intérêt de l'image, il est en dehors de l'image ici. C'est-à-dire, c'est la remise en question de la position du spectateur qui se croyait dans une situation définitive et qui pensait qu'il y avait l'écran et lui et qu'il ne pourrait jamais traverser cette distance. Et de l'autre côté, c'est la situation du personnage qui est considéré comme ne pouvant pas quitter l'écran. Oui. Donc au fond, l'intérêt de l'image ici, c'est qu'elle nous interroge sur ce qui est extérieur à l'image. Et ça, on le retrouve dans la peinture. Mais alors, attends, juste un truc. Je pense notamment au Ménine de Velázquez. Oui, attends, c'est exactement le type même. Il me semble que là, il y a un truc que j'essaye de dénouer, parce que vous avez parlé de Socrate, enfin de Platon, le mythe de la caverne. Mais l'allégorie. L'allégorie de la caverne, mais on n'est pas au cinéma, il n'y a aucune prétention à dire le bien, le vrai, le beau. On n'est pas du tout pour dénoncer l'illusion des sophistes. On est d'accord? Absolument. Donc pourquoi est-ce que je sais plus pourquoi pas oui non mais parce que en fait ce que voulait dire Gilles c'est que la paroi du fond de la caverne et la position des prisonniers enchaînés ce sont des spectateurs qui sont dans une inertie, une passivité, une immuabilité et la paroi de la caverne c'est un écran. D'accord. Et c'est un système de représentation d'ombre, de simulacre qui donne l'impression qu'effectivement, on est là dans un monde qui n'est fait que de fausseté, de falsification. D'accord. Alors, ce qui se produit, c'est qu'il y en a un qui est libéré, qui le désenchaîne. On suppose. On suppose, hein, parce qu'on ne sait pas d'ailleurs qui est ce prisonnier, on ne sait pas qui lui enlève les chaînes, enfin, on peut le supposer un petit peu. Il y a deux maîtres au fond de la caverne. Il y a le maître qui entretient l'image de la falsification, et qui a tout intérêt à ce que cette image perdure, et puis il y a le maître qui veut faire connaître autre chose, donc ce n'est pas les deux mêmes maîtres. Dominus et Magister. Voilà, exactement. Et donc pour en revenir au cinéma, il n'y a pas du tout cette prétention à dénoncer l'illusion. Moi ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est que... Oui. Donc on n'est pas trop là-dedans, mais justement, en quoi La Rose Pourpre du Caire et Vidéodrome te paraissent être des exemples pertinents de ce que peut être... Ils interrogent le cinéma. C'est le cinéma qui s'interroge sur lui-même et qui interroge... L'image est bonne quand elle s'interroge sur elle-même. Mais je n'ai pas dit que c'était bon, j'ai dit que c'était intéressant. Oui. Et d'ailleurs, je ne vois pas ce que ce critère de bon vient faire. Non, mais parce que tout à l'heure, tu as parlé de perversion. Ah oui, d'accord. D'accord. Elle n'est pas perverse. Dans l'allégorie de la caverne, pour reprendre cet exemple-là, et moi je dis que ce système, je reviens à mon point de départ, exhibitionnisme et voyeurisme, on est au fond de la caverne, précisément. On est dans ce système de représentation qui est finalement assez malsain et où
on se contente de l'illusion qui est beaucoup plus confortable que la réalité qui, elle, est insécurisante. Mais pour revenir au cinéma, je pense qu'il y a dans ces deux exemples, je pourrais en prendre d'autres, et puis il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi la peinture, j'y venais, qui aussi s'interroge sur la place du spectateur et sur la place que peut représenter ce qui est extérieur à l'image elle-même. Les Ménines de Velázquez, par exemple, où quand on regarde bien ce tableau, comme l'a fait Michel Foucault dans Les mots et les choses, en définitive, on voit que tout l'intérêt du tableau, il n'est pas dans le tableau, il est à l'extérieur. Et qu'au fur et à mesure qu'on décrypte le tableau, on commence à prendre conscience de quelque chose qui n'est pas dans le tableau, mais qui apparaît de plus en plus. C'est-à-dire, en fait, pas le hors-champ, c'est notre regard. Parce que le cinéma, c'est le hors-champ. Et alors, en quoi c'est intéressant que le cinéma signale ? Attention, il y a autre chose que le champ, il y a le hors-champ. Parce que, j'y viens, il va faire alors fonctionner quelque chose qui est véritablement en lien avec l'image, qui est l'imagination. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qui nous intéresse derrière cette représentation de l'image ? C'est la faculté à laquelle cela renvoie. Et on n'a pas parlé depuis le début, mais il y a quand même un élément fondamental, c'est l'imagination. Or là aussi, maintenant je quitte Platon, je parlerai de Bachelard. Bachelard, dans la série qu'il a consacrée... Je comprends bien qu'il y a, pour, il y a des références et tout. Hein. Mais dans la série qu'il a consacrée... Comme à l'école. Ouais, il y a l'eau, les rêves, la poétique de l'espace. Et il a montré clairement qu'il y avait deux types d'imagination, finalement. Il y a l'imagination qui, finalement, face à une image qui épuise l'imagination, parce que l'image, d'une certaine manière, met un terme à l'activité d'imagination. On donne l'image et donc l'imagination s'arrête. Et puis il y a une imagination qui, elle, au contraire, ne s'arrête sur aucune image, parce que l'intérêt, c'est de précisément pouvoir faire fonctionner une activité qui n'a pas de terme, qui n'a pas d'issue, qui n'a pas de fin, et qui est extrêmement créatrice. Alors, je vais donner un exemple de la première imagination, puisqu'on va essayer de donner des choses un peu concrètes et sortir un peu de la théorie. Van Gogh, la vie de Van Gogh, je ne sais plus comment c'était ce film. Il y a un film récent qui est sorti, La Passion Van Gogh. Ça m'a mais déplu profondément. Je ne l'ai pas vu. C'était une prouesse sans doute technique, parce qu'il y a eu des milliers de peintres, des centaines de peintres qui ont animé les tableaux de Van Gogh. Mais j'étais... beaucoup de critiques ont trouvé ça extraordinaire, ou même des personnes qu'on a croisées. Moi, ça m'a laissé totalement froid. Le fait qu'on puisse, à ma place, faire parler mon imagination sur un tableau fixe de Van Gogh, j'ai trouvé ça particulièrement inintéressant. C'était pour illustrer ce que tu disais de la première Comment fait le cinéma pour lutter contre ça ? Alors, je termine sur quand même les deux formes d'imagination. Il me semble que la lecture, c'est évidemment celle qui entretient l'imagination la plus créatrice. Parce que c'est elle qui nous demande de forger nous-mêmes nos propres images. Je prendrai juste l'exemple pour le cinéma, alors là, qui est plus ambigu, plus compliqué. C'est qu'il peut y avoir des adaptations de livres dont le cinéma constitue précisément là une trahison, ou en tout cas une forte déception. Et on peut très bien avoir lu un livre en se disant « je n'irai pas voir l'adaptation cinématographique parce que je ne veux pas mettre d'image. Je ne peux pas mettre de visage, je ne peux pas mettre de figuration sur quelque chose dont je me réserve le droit de dessiner les contours moi-même. » Je prendrai un exemple, moi, où j'ai refusé d'aller voir le film, c'est Balzac et la petite tailleuse chinoise. J'ai lu ce livre, je ne voulais pas savoir quel visage on allait donner à la petite tailleuse chinoise. Je voulais garder ce visage pour moi. Je ne voulais pas d'image de ce visage. Et un autre exemple, c'est La jeune fille à la perle. Alors, La jeune fille à la perle, il se trouve qu'elle est représentée en peinture. Mais je ne voulais pas que le cinéma s'empare de ce que la peinture et la lecture m'avaient fait créer comme imaginaire. Et donc, pourtant, la peinture avait sans doute un imaginaire différent. Alors, est-ce que l'image peinte est une image qui est forcément susceptible d'arrêter l'imagination ? Est-ce qu'elle est susceptible de bloquer l'imagination ?
Les raboteurs de parquet, par exemple, c'est magnifique comme tableau sur la condition des ouvriers au XIXe siècle. Ça parle peut-être autant, voire plus, que le réalisme littéraire du XIXe siècle. Et moi, je pense que pour revenir à l'imagination au cinéma, il y a des films qui ne réveillent absolument pas l'imagination et qui font que l'image est un blocage pour l'imaginaire. Il n'y a rien qui se passe. L'image a saturé l'imagination. Et il y a des films, au contraire, qui, et même, c'est tout l'intérêt, c'est bien après le film, une fois le film terminé, une fois l'obscurité revenue dans la salle, ben, l'imagination a pris le pas. Et désormais, c'est elle qui travaille et qui reprend le film et qui va le ressaisir. Voilà. Donc il y a une ambiguïté, parce que le cinéma peut à la fois, je pense, arrêter le processus de l'imaginaire, comme il peut aussi le dynamiser, le propulser. Et donc c'est ce que tu essaierais de faire à Canal Pop, ce serait d'indiquer la bonne voie. Il n'y a pas de bonne voie. Ben si, celle qui mène plutôt vers l'imagination ouverte que fermée. Oui, mais après, cette imagination ouverte, elle relève de chacun aussi. On ne va pas instaurer un diktat de l'imaginaire. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Parce que l'ambiguïté, c'est que l'imaginaire, chacun va se le forger. Mais je pense qu'il y a des films qui sont plus à même de nous inciter à le forger que d'autres. La plupart des films guident ton imagination. Un hors-champ, par exemple, quand tu vois un personnage qui dialogue avec un autre personnage et tu le vois dialoguer, tu ne vois pas l'autre personnage, là, ton imagination est guidée par le hors-champ. Donc, c'est systématique au cinéma. Oui, mais pour quelle imagination ? Est-ce que c'est une imagination qui va prospérer, qui va faire fructifier quelque chose, qui va devenir créatrice, hein, comme dirait l'autre ? Ou bien est-ce que c'est une imagination qui finalement va très vite retomber, dont le soufflet va retomber ? Est-ce qu'on peut dire un mot de la télé ? Oui. Bah oui, quand même, ça serait bien, parce qu'on fait de la télé. Un mot de Godard sur la télé. C'est pas sûr, lui, il pense qu'on est en radio. Un mot de Godard qui disait « Quand je regarde la télévision, je baisse la tête, au cinéma, je la lève. » Et finalement, on peut repenser à l'allégorie de la caverne. Voilà. Non, mais c'est, à l'époque de Godard, il n'y avait pas de home cinéma, c'est pour ça. Donc les télés étaient comme ça, par terre. Non, mais sérieusement, tu reproches quelque chose à la télé ou... Tu la regardes, par exemple. Y a-t-il quelque chose à reprocher à la télé ? Ben, je prendrai l'exemple alors de Bourdieu, qui refusait d'aller à la télévision. Ou bien, parce qu'il a toujours une petite réaction. De donner une interview. Non, mais pourquoi ? Parce qu'il disait, une fois qu'on entre sur un plateau de télévision, on est prisonnier. On est prisonnier de tout un processus, on est prisonnier de tout un système de spectacle, comme dirait Debord. On est dans la société du spectacle, on entre là-dedans. Et le temps de la télévision est un temps qui n'est pas compatible avec celui de la réflexion, montre Bourdieu. C'est-à-dire que l'analyse, le décryptage, voilà pourquoi peut-être une émission comme Arrêt sur image, je voulais en dire un mot quand même, puisqu'on parle de l'image, mais Arrêt sur image, c'est la formule même de l'émission, me semble très intéressante à cet égard. Alors, est-ce que c'est réussi ? Est-ce qu'on peut aimer cette émission ? Schneiderman s'est bien engueulé avec Bourdieu, en tout cas. Mais bon. Voilà. Donc, l'émission qui n'existe plus que sur Internet. Qui n'existe plus que sur Internet, qui a été supprimée. Non, mais est-ce que toi, tu regardes la télévision ? Oui, je regarde la télévision, mais je la regarde en fonction de choix qui sont précis et qui sont de moins en moins hasardeux. C'est-à-dire, je ne vais pas sur la télévision en me disant que je vais faire des rencontres d'émissions. J'ai une ou deux émissions, pas plus. Quoi. Ça t'arrive voilà. pas de... On n'est pas... Après, j'aime beaucoup zapper pour précisément me perdre dans les images. C'est-à-dire, zapping, c'est l'horreur, c'est infernal. Me laisser aller au pouvoir de l'image, j'adore ça. Te laisser aller au pouvoir de l'image ? Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le zapping névrotique ? Ben, parce que justement, il y a cette capacité de l'image à nous faire perdre complètement contact avec le sens, la valeur des choses. Et j'aime... Alors, le zappeur, il contrôle. Hein. C'est-à-dire que... Je ne suis pas sûr qu'il contrôle. Ben, moi, je m'amuse à ça parce que je contrôle. Non, tu ne contrôles plus rien quand tu appuies sur la touche. Mais je suis sûr que tu ne contrôles pas à quel moment tu... Parce que ça ne dure pas longtemps. Enfin, ça ne dure pas longtemps. C'est juste une façon... C'est une image qui va te faire appuyer sur... De balayer des images qui sont en contradiction les unes avec les autres. C'est une sorte de diaspora infernale. Et au bout d'un moment, on se dit, j'ai touché le néant, quoi. J'ai touché quelque chose qui ressemble au néant. Et tu as besoin de ce néant. Ben, ça rassure un peu. En quoi pourrait être utile ce que tu voudrais faire à Canal Pourpre, si tu veux toujours faire quelque chose à Canal Sur Pourpre. Le cinéma, essayer de montrer comment
le cinéma peut changer notre représentation des choses, la faire évoluer, la faire progresser. Tu crois que c'est possible avec un format que tu pourrais inventer, hein? Je veux dire, avec les moyens du bord. Ben, revenir sur l'analyse de certains films, oui. Montrer comment ils mettent en jeu un certain nombre de questionnements, de problématiques. Tu vois ça comme un monologue ou filmé? Non. Ou... Non, je verrais ça. Je verrais ça d'abord avec l'utilisation d'un support. Il faudrait que on puisse montrer certaines images, certains extraits. Ça, c'est faisable. Hein. Et puis revenir sur ce que l'image ne donne pas tout de suite. Montrer comment il faut un recul, il faut une capacité de reprise. Et le faire peut-être dans un débat, dans une discussion, pourquoi pas, avec peut-être aussi deux visions d'une même image ou d'une même scène. Avec l'idée que... Deux visions, deux personnes. Deux personnes qui pourraient, voir différemment. D'après leur témoignage, montrer qu'il peut y avoir plusieurs aspects d'une image. Par exemple, ce qu'on utilise en atelier, l'effet Kouletchov, qui est vraiment, pour moi, tu parlais de... Enfin, c'est pas de la perversion, en même temps, c'est une construction de l'imagination. Mais deux images fixes, côte à côte, avec la première, c'est exactement la même. La seconde est de nature très différente, vont pouvoir suggérer ou l'effroi, ou le désir, ou je sais plus ce que c'est après, il mange sa soupe, donc le désir nutritif, on pourrait dire. Et la première image est exactement la même, enfin les trois reprises. Donc là, on voit que le montage, il n'y a pas que l'image, mais il y a aussi ce montage qui vont créer... C'est pas très clair ce que tu as raconté. L'effet Kouletchov, c'est pas très clair? Non. C'est la même image sur laquelle on met un son différent, je c'est te ça Non, pas de son. Je te filme, tu bouges pas. Je te filme en plan fixe. Tu as un visage assez neutre. Juste après, je vais mettre une image d'un enterrement, l'image d'un plat de saucisses, etc. D'accord. Le contexte... La deuxième image va créer chez le spectateur un contexte qui peut être totalement différent. Et c'est très utilisé à la télévision. Quand tu vois les montages faits dans les reportages télévisés pour donner l'impression que la personne est importante ou pas, ou pour écraser une personne. Ah bah, y a un effet Kouletchov à la télé qui est inaperçu et pourtant présent tout le temps, c'est que le pseudo-journaliste, le speaker, regarde la caméra. C'est-à-dire, il fait semblant de regarder les gens. Les gens ont un regard fixé sur eux, ce qui est un effet, évidemment... Là, j'appellerais ça de la perversité. Mais on est complètement endormi. Au cinéma, quand on voit ça, ou dans les séries, il y a un but, enfin, il y a quelque chose. À la télévision, on a l'impression que c'est tout à fait normal. Mais j'aimerais quand même revenir à Platon, sur un petit Revenons détail. Revenons à Platon, tu as raison. Non, mais sur un petit détail, c'est l'ambiguïté chez Platon. L'ambiguïté qui n'est peut-être pas assumée du tout, d'ailleurs, c'est de dénoncer l'image, en fait, au travers d'une représentation. Puisque le mythe, enfin, l'allégorie de la caverne... Oui, c'est une représentation. C'est et alors, la question se pose pour les élèves, puisqu'ils demandent un dessin. Ben, il faut faire un dessin de ce qui est précisément une remise en cause de la représentation. Et finalement, tu trouves chez Platon le recours au mythe, il est quasiment permanent, comme si il montrait une insuffisance pour la raison à témoigner d'un certain nombre d'éléments que seule l'imagination est capable de relayer. Et du coup, il y a cette ambiguïté chez Platon, dénoncer l'image, mais au fond... Il se servir beaucoup de mythologie. En recourant à quelque chose, mais peut-être le mythe, quelque chose qui précisément ne fait pas de l'image. C'est pas tout à fait l'allégorie. Un usage qui est celui de l'allégorie, et qui nous fait alors retrouver la distinction entre deux imaginaires, ou deux imaginations, l'une qui fige, qui appauvrit, qui stérilise ou qui pervertit, et l'autre qui, au contraire, éclaire, précise, décrypte. Et aussi libère, parce qu'au fond, la liberté d'interprétation que l'on peut avoir face à un mythe ou face à une allégorie, ce n'est pas ce que l'image qui voudrait nous enfermer, nous téléguider, à l'intention de faire. Donc, il y a vraiment deux imaginaires. Il y a un imaginaire qui empêche cette liberté, et il y a un imaginaire qui la permet. Et je pense que le cinéma peut nous donner des éléments qui permettent à la liberté d'interprétation aussi. Voilà pourquoi, avec deux points de vue, ça semblerait intéressant de s'exprimer. On va s'arrêter là. On va essayer. Ce qui est embêtant dans ce truc-là, c'est que on peut finalement dire n'importe quoi pourvu que ce soit nous qui le disons, quoi.
Tu veux dire quoi dans ce... Là, c'est la liberté d'interpréter. Ça veut dire que finalement, tout est bon, tout discours est tu bon. Tu veux dire c'est le relativisme le plus absolu enfin, bon, dans la liberté d'interprétation sur un film. Oui. Je veux dire, j'y pense, mythe et allégorie. L'allégorie, c'est le bon truc pour Platon parce que c'est une leçon, quoi. Tandis que le mythe ne donne pas de leçon. Le mythe, non, le mythe ne donne pas de leçon. Te laisse te démerder avec des histoires complètement monstrueuses ou adorables, mais enfin, bon. Alors, en ce sens, moi, je suis un peu platonicien peut-être, mais j'aime bien les leçons, quoi. J'aime bien qu'on me dise qu'est-ce que ça veut dire le petit poussé, bordel. Qu'est-ce que ça veut dire le petit chaperon rouge. Pourquoi on raconte ça aux gosses. Donc, quelle est la morale alors pourquoi, je ne sais pas, appelle ça comme tu voudras, mais quel est le sens quoi, de cette histoire qui plaît tant et qui plaît à tant de générations et qui continue à me plaire. Pourquoi le Père Noël pourquoi, voilà. Alors un spectateur de cinéma, il doit obligatoirement, à ton avis, au fur et à mesure qu'il regarde un film, il doit en tirer une leçon. Il doit en tirer... Bon, en tout cas, moi, je vais au cinéma pour comprendre des trucs. Hein. Pas pour... je sais pas quoi, m'endormir ou... Mais cette leçon, elle est guidée par quoi? Comment? Cette leçon qu'il faut tirer du film, qu'est-ce que c'est qui la guide? Qu'est-ce que c'est qui la détermine, cette leçon? J'espère que c'est l'auteur du film. C'est en ce sens que je trouve un film intéressant. Et donc le spectateur doit toujours saisir ce que l'auteur a voulu indiquer, donner. Je ne sais pas si saisit ce que l'auteur a voulu, mais en tout cas, si ça le... Est-ce que dans les débats... S'il peut lui-même expliciter l'intérêt qu'il a trouvé à ça, moi ça me bat très bien. Est-ce que dans les débats qui ont lieu à la fin des films, est-ce qu'on a l'impression que le spectateur a toujours compris ce que l'auteur voulait donner, voulait... Quelles sont les leçons? Non mais attends, moi, Emmanuel, ceux qui s'expriment aussi. Ceux qui s'expriment. Il y en a qui ne s'expriment pas, qui ont peut-être trouvé un intérêt. Pourquoi faire intervenir le spectateur à la fin d'un film? Je sais pas. D'abord, faire intervenir, c'est vachement difficile. Ça, c'est l'idée du ciné-club, quoi, qui suppose que... Mais alors, ça va servir à quoi? Est-ce que ça va servir à délimiter une seule façon de considérer, ou au contraire... Non, mais c'est ce que tu disais à l'instant, évidemment qu'il y aura une confrontation. J'espère que ça fait parler, quoi. Mais moi, ce qui me choque dans ce que tu dis à propos de la liberté d'interprétation, c'est, autrement dit, tu as dit que ça renvoyait au grand n'importe quoi, c'est-à-dire à l'aléatoire, aux variables, au relativisme. C'est ce qu'on peut craindre. Mais est-ce que l'idée d'interprétation, au fond, elle est déjà... porteuse d'un sens, elle est déjà porteuse d'une direction qui n'est pas si fantaisiste. J'espère, oui. J'espère. Interpréter, ce n'est pas un acte, je dirais, dérisoire ou anodin. C'est déjà s'engager dans une... C'est risqué. Oui. Dans une démarche. Ça dépend, discussion risquée. Oui, l'interprétation, elle est quand même pas souvent... Toute image non, mais... appelle une interprétation, finalement. Oui, d'accord. On revient à l'image, sauf qu'on peut entendre des choses qui ne sont absolument pas l'interprétation, mais une perception, alors, ou même plutôt une sensation qui n'est pas du tout confrontée à un raisonnement. Qui dit interprétation dira une grille d'interprétation. Enfin, chacun... Je me fais des grilles, ça enferme. Mais il faut éviter ce genre de choses. Bah non, une grille de lecture... Oui, bon, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Si, ça enferme. Si y a un petit peu de raisonnement... Pas de grille, s'il vous plaît. S'il y a un petit peu de raisonnement... Ouais, prenons notre image, alors. Mais... S'il y a juste... Sillage. Comme on dit, les gens disent « mon ressenti ». Mon ressenti. Sans raisonnement, on n'est pas forcément dans l'interprétation. Et là, effectivement, on peut avoir tout et n'importe quoi, tu le sais. Mais moi, je vais parler de films. Qui me dit que de l'autre côté de l'image que je vais diffuser, il n'y a pas des gens qui vont se dire « mais putain, mais il n'a rien compris ». Oui, mais très bien. C'est pas du tout ce qu'on a... Oui. Donc, c'est bien ça, la liberté d'interprétation aussi. C'est qu'elle peut prêter... À contradiction, elle peut prêter à... Oui, non, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. À malentendu. Non, ce que je craignais là-dedans, c'est simplement la peur du jugement, tu vois, le côté en disant, bon, tout est bon, tout se vaut, etc. Non, c'est pas possible à partir du moment où il y a un film, déjà, il y a un cadre. Alors, ne parlons pas de grille, parlons de cadre. Mais il y a un cadre d'interprétation. C'est pareil. c'est pas un carcan, un cadre. Bon, enfin, écoute, on est très contente. Il va nous apprendre enfin, je ne sais pas si tu vas nous apprendre, mais en tout cas, tu vas essayer de montrer que l'image peut être plus ouverte, aussi ouverte que possible. Ben, en tout cas, le cinéma véhicule une forme d'image qui nécessite toujours, et ce n'est pas moi le premier ni le dernier,
qui nécessite toujours un travail d'interprétation, de reprise, de lecture, de discussion. Et dans une société où les images ont tendance de plus en plus à l'oublier, oui. À freiner, à oublier, à arrêter, à paralyser. Tu as déjà un titre pour, pour ta remarquable émission. Grille de lecture. Lecture grillée, ouais. Je blague. On va peut-être s'arrêter là, il va réfléchir à son titre. À moins que tu l'aies déjà trouvé, je voudrais pas. Non. Bon. Je voudrais juste, avant de terminer, faire un petit truc qu'on n'avait jamais fait, puisqu'on a parlé d'imagination tout à l'heure, on a parlé de hors-champ. Alors, personne n'a bougé ici. Voilà. Et donc, ce que je voulais montrer, peut-être Emmanuel, parce que tout à l'heure, tu disais, c'est pas une radio, c'est une télévision. On l'a déjà donc, fait, ça. Le hors-champ, je crois qu'on l'a pas fait. Attention, ça va être 360 degrés. Attention, le hors-champ. Donc, tu peux expliquer ce qu'on est en train de filmer, là, d'ailleurs. On était dans un cadre très précis, il y avait les deux fauteuils. Tu es passé derrière la caméra. Je suis passé derrière la caméra. Attention, on va voir. Et là, on va voir la personne qui a filmé, en gros plan, peut-être. En très gros plan. Avec tous mes boutons. Voilà. Et puis on tourne. Et Christophe qui assiste. Christophe, un ami d'Emmanuel. J'ai cassé le pied de la caméra. Ah, tu as cassé quelque chose, voilà. Oh, on va faire un 360 degrés. Et là, on revient, donc c'est le salon de Canal Pourpre. Voilà. Et donc, je ne sais pas si pendant toute l'émission, d'ailleurs, je ne sais pas si les gens vont regarder jusqu'au bout, les gens se sont imaginés ce qu'il y avait autour de nous, le hors-champ, justement. C'était une partie du hors-champ, parce que oui, le hors-champ... malheureusement, on n'a pas montré. Il est... irreprésentable. Oui, tu voulais dire, tu voulais terminer. Vas-y, conclue. Parce que là, c'était du direct. Hein. Oui. Ah non, j'ai parlé de direct, moi. Non, c'est pas du direct. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est pas en direct. C'est dans les conditions. Ce que les gens ont regardé. Vont regarder, d'accord. Non, on ne serait pas permis. Ah oui, on n'a pas encore les moyens de diffuser directement sur la télévision, sur TF1. On peut, mais on le dira pas. Bon, ça, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, t'as plus qu'à te mettre au boulot, quoi. Ni corazón tan de ver.